Nous allons voyager direction le Maroc pour le rallye des gazelles, une course entièrement dédiée aux femmes, entre sport, aventure et solidarité aussi, vous allez le découvrir, un sujet ensoleillé de Jawad Aïtamer. Des pick-up roses et des femmes en plein désert marocain. Non, ce n'est pas un mirage, mais la 26e édition du rallye des gazelles. Plus de 300 femmes ont pris le départ de cette course qui rassemble une trentaine de nationalités différentes. Pas de course de vitesse, pas de GPS. Les participantes ne comptent que sur leur sens de l'orientation. On ne pensait pas avoir bien réussi hier, mais c'était vraiment difficile. Après, j'ai vraiment pas une avance confortable. Il ne faut pas qu'on fasse d'erreur. Maintenant, c'est vite fait. C'est bien quand il y a de la bagarre aussi. C'est sympa. Les concurrentes ne doivent rouler qu'en hors-piste. Une difficulté qui cause quelques problèmes mécaniques. On a cassé le pont. Et malheureusement, le pont, c'est ce qui tient la voiture ensemble. Alors, il faut qu'on essaye de faire que le roue n'écarte pas jusqu'au bivouac. Une fois au bivouac, les participantes partagent leur joie. Une solidarité qui fait aussi l'ADN du rallye. Chaque année, l'événement finance 8000 consultations médicales et de nombreux dons pour les villages locaux. Une motivation supplémentaire qui fait d'abord du rallye une grande aventure humaine.